Jack, Jeff et Joe essayent toujours de rentrer chez eux. Mais leur voyage s'annonce long, très long. Alors Jack a une idée. Tout au long de leur trajet du retour, ils feront des escales chez des amis complices. Et pour ça, chacun envoie à un complice une photo de leur carte et un message lui demandant où il se situe sur la carte. Oui, ils sont bien équipés, nos trois pirates. Tiens, 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 une fraction. Et Joe se dit que pour placer 2/5 au bon endroit, il faut partager l'unité en 5 parts égales et reporter 2 fois cette part depuis l'origine. Seulement voilà, comment faire pour diviser l'unité U en 5 parts égales sur leur carte? Je sais, s'écrie Jeff, il faut un guide âne. Un guide âne? Et Jeff explique que le guide âne est une feuille avec une série de droites parallèles. C'est la machine à partager une unité, quel que soit le dénominateur. Dans le cas présent, le dénominateur, c'est 5. Puis il reste à reporter la valeur du numérateur, le 2. Les pirates ont leur première escale et déjà une deuxième réponse arrive sur le téléphone de Joe. Toujours grâce à leur superbe machine à diviser, Jeff divise l'unité en 10 parts égales et repère son complice à 6 parts de l'origine. Puis, il place le point correspondant à la position de leur deuxième complice. À ce moment-là, Jeff reçoit lui aussi une réponse. Et visiblement, ce n'est pas tout à fait celle qu'il attendait. Il n'ose pas lui répondre qu'il est à 7/5 de U de chez elle. Bon vent, flibustier !